Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free Orange, Numéricable, Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons vous proposer ce soir. Dans le cadre du projet d'établissement 2016-2020, le CHU de Martinique organise des forums d'information dans les hôpitaux de Mango-Vulcain, Pierre Zobda-Kittmann et Louis Domergue. Aujourd'hui, mardi 20 septembre, les enseignants du lycée Croix-Rivaille, qui continuent de s'opposer à la mutation du directeur Philippe Aurore, ont envoyé une délégation à la préfecture. La semaine dernière, l'OMAS, l'Office des missions d'action et sociale et de santé du Lamantin, organisait une journée intitulée « Humanitude ». Une délégation de 60 chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle remplit actuellement et jusqu'au 11 octobre une mission dans notre pays. La semaine dernière, jeudi 15 septembre, nous étions à Californie au Lamantin où les nouveaux élèves de l'EGC, l'école de gestion de la Martinique, organisaient leur journée d'intégration. Le 15 septembre dernier, l'habitation La Fontaine accueillait une remise de diplôme bien particulière, celle des collaborateurs du groupe GBH, ayant suivi une formation de responsable opérationnel de distribution. Dans votre rubrique sondage, en ce moment se déroule la 33e édition des Journées européennes du patrimoine en Martinique. Profitez-vous pour découvrir ou redécouvrir certains lieux en Martinique. Enfin, votre savoir et réfléchir s'intéressera au musée du Louvre. Nous vous avons annoncé il y a peu la naissance du premier enfant né d'une mère atteinte de Zika et souffrant d'une microcéphalie. Mais la MFLE, la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant, vient d'annoncer que c'est désormais 5 nourrissons qui sont atteints de microcéphalie en Martinique. Notons que la plupart des femmes qui s'en aperçoivent avant l'accouchement choisissent d'interrompre la grossesse. Dans le cadre du projet d'établissement 2016-2020, le CHU de Martinique organise des forums d'information dans les hôpitaux de Mango-Vulcain, Pierre Zobda-Kittmann et Louis Domergue. Ces forums ont pour objectif d'informer, sensibiliser et impliquer le personnel dans le projet d'établissement. Le premier a donc eu lieu ce mardi matin dans le hall d'accueil de l'hôpital Mango-Vulcain. 3 problématiques seront abordées au cours de ces forums: la nouvelle identité médicale du site, la dimension sociale et le rapatriement des derniers lits de l'hôpital de Colson. Le personnel a également pu s'exprimer, un personnel qui d'ailleurs n'approuve pas toujours les choix de la direction et l'a fait savoir. Aujourd'hui, mardi 20 septembre, les enseignants du lycée Croix-Rivaille, qui continuent de s'opposer à la mutation du directeur Philippe Aurore, ont envoyé une délégation à la préfecture. À cette occasion, ils ont appris qu'il n'était plus question de le muter en Guadeloupe, mais finalement de l'affecter à la DAF, la Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. En outre, il s'avère que cette décision de mutation serait liée à un rapport d'inspection dont le contenu ne semble pas avoir encore été communiqué. La mobilisation se poursuit donc en attendant plus de réponses. La Chambre régionale de la Cour des comptes a fait part des résultats de son audit sur les finances de l'ancien Conseil régional. Souvenez-vous, pendant les élections territoriales de décembre 2015, cette histoire avait alimenté les débats politiques.
Selon l'actuelle majorité, l'examen des comptes de l'ex-conseil régional sous la présidence de Serge Letchimy laissait apparaître un déficit de plus de 80 millions d'euros. Eh bien, selon la Cour des comptes, avec examen méticuleux, on ne peut pas parler de déficit, mais plutôt d'excédent, 535 000 euros précisément. Il n'y a donc pas de mesure de redressement à engager. Prendre en charge les personnes âgées en établissant un contact physique, par exemple, c'est l'un des piliers du concept d'humanitude développé par l'OMAS, l'Office des missions d'action sociale et de santé du Lamantin. La semaine dernière, l'OMAS, l'Office des missions d'action sociale et de santé du Lamantin, organisait une journée intitulée « Humanitude », ce concept qui repose sur quatre piliers, le regard, le toucher, la parole et la verticalité, a été mis en place à la maison de retraite Henri Bourgeois située au Lamantin. Cet EHPAD ou établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dépend en effet de l'OMAS. Par le biais de son concept Humanitude, l'Office des missions espère ainsi proposer une meilleure prise en charge des résidents qui ont bien souvent besoin de soins tout au long de leur séjour. Il s'agit donc d'établir la confiance pour obtenir le consentement des patients avant toute action. Nadia Nancy, infirmière à la maison de retraite Henri Bourgeois, a expliqué que les personnels de la structure ont été progressivement formés aux principes de l'humanitude, une formation mise en place en 2009 très précisément, l'objectif étant d'accompagner au mieux les personnes âgées dans leur démarche de santé. Dans sa lettre hebdomadaire, la Fédération des entreprises d'outre-mer, la FEDOM, s'émeut de la violence et donc de l'insécurité qui se développe dans les territoires d'outre-mer. Parmi toutes les causes de ce fléau, elle vise tout particulièrement, citons-la, la qualité de la gouvernance. Pour la FEDOM, la violence n'est pas due seulement à l'alcool, à la drogue, à l'inégalité des revenus, mais également à la façon dont nous sommes gouvernés. Puis, de façon inattendue, elle cite Aimé Césaire lorsque celui-ci écrit « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. » Demain, mercredi, cela fera très exactement 25 ans que le célèbre chanteur de Belley et flûtiste Eugène Mouna nous a quittés à l'âge de 48 ans, laissant à la sphère musicale antillaise un héritage inédit. Rappelons qu'un musée lui est dédié dans la commune du Marigot. Une délégation de 60 chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle remplit actuellement et jusqu'au 11 octobre une mission dans notre pays. Elle recherche des espèces animales jusqu'à maintenant inconnues. Elle se concentre essentiellement sur les mollusques, les éponges, les algues et les crustacés. Selon le chef de cette délégation, la Martinique compte plus d'espèces marines que l'ensemble de la mer Méditerranée. Mais il n'y a pas qu'en Martinique, puisque les spécialistes affirment que de par le monde, il reste encore à découvrir de 8 à 30 millions d'espèces. Le meurtrier présumé de Johan a été transféré de Bemao au centre pénitentiaire de Ducos lundi après-midi. Cette décision du parquet de Basse-Terre qui intervient pour des raisons de sécurité. Le détenu, un jeune dominicain de 15 ans, a été placé à l'isolement dans la section mineure. Pour rappel, il est suspecté d'avoir poignardé Johan, un lycéen de 15 ans, de 7 coups de couteau alors qu'il sortait de son lycée aux Abîmes en Guadeloupe, pour un téléphone portable. Même si c'est en Guadeloupe que viennent d'être dépêchés 70 gendarmes supplémentaires pour assurer la sécurité de la population, nous vous en avons parlé. En Guyane, la situation de ce point de vue est également dramatique. Là-bas, les braquages, les règlements de comptes, le trafic de drogue font en moyenne une victime par semaine. Les auteurs sont en général des jeunes de 15 à 30 ans. Le maire de la capitale de Cayenne a rendu visite à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander de rétablir le service militaire obligatoire dans les Outre-mer. Et puis à l'occasion de l'enquête qui se déroule à propos de l'attentat perpétré par des djihadistes au Bataclan à Paris,
on apprend qu'une dizaine de militaires arrivés très tôt sur les lieux sont restés l'arme au pied, c'est-à-dire sans intervenir, alors que la fusillade venait de commencer à l'intérieur de la salle. Ils n'avaient pas reçu l'ordre d'intervenir, disent les autorités militaires, parce qu'ils ne sont pas formés pour maîtriser ce genre de situation. Deux questions, bien entendu, se posent. Comment se fait-il que des militaires soient arrivés sur place avant les policiers? À quoi sont donc formés les militaires si ce n'est pas d'être éventuellement au contact de l'ennemi? La semaine dernière, jeudi 15 septembre, nous étions à Californie, au Lamentin, où les nouveaux élèves de l'EGC, l'école de gestion de la Martinique, organisaient leur journée d'intégration. Il s'agissait pour la centaine de bacheliers présents d'apprendre à mieux se connaître les uns les autres et surtout de comprendre comment travailler ensemble au mieux. Et pour cela, le corps enseignant a choisi de les rassembler autour d'un sport collectif typique de chez nous, l'aïeul. En effet, vous le savez, cette activité nécessite une parfaite communication et synchronisation au sein de l'équipage. Ce jour-là, nos jeunes apprentis marins ont pu compter sur l'aide de professionnels expérimentés, comme l'un des frères Mass, champion du Tour des Yoles Rondes 2016 de la Martinique. Rappelons que l'EGC est un établissement privé qui dispense des formations de niveau supérieur jusqu'à Bac plus 5 dans les domaines du marketing, du management, de la gestion, du droit ou encore des ressources humaines. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, en ce beau jeudi ensoleillé, nos étudiants avaient davantage la tête aux loisirs et à la compétition. Après tout, les journées d'intégration permettent généralement d'aborder la rentrée de façon ludique. La SOPAMAR, qui s'est, on le sait, récemment distinguée par sa farouche opposition à la mise en place de l'usine de biomasse du Galion, entend désormais se dresser contre un nouveau chantier important. Il s'agit de l'extension du grand port de Fort-de-France que les écologistes estiment profondément nuisible à l'environnement. Ce à quoi les professionnels rétorquent que toutes les mesures seront prises pour limiter les impacts négatifs sur la faune et la flore aquatique. 75 kg de chair de tortue et 30 kg de chair d'oursin. Voici ce que les douaniers ont découvert vendredi dernier sur une yole sainte-lucienne au large de Fort-de-France. C'est a priori la première fois qu'une telle saisie est faite en Martinique. La tortue est un animal en voie de disparition et protégé par la Convention de Washington. Il est donc formellement interdit de la chasser, de la détenir et de la commercialiser. Les deux individus à bord de la yole ont été arrêtés. Ils risquent des peines de prison, de milliers d'euros d'amende, 75 000 euros pour la pêche illicite de tortues et 22 500 euros pour la pêche d'oursins hors période autorisée et la confiscation de la yole. L'île de Cuba, qui se distinguait déjà par une attractivité florissante, continue d'élargir son offre en proposant désormais une sorte de tourisme médical. Il faut dire que la médecine cubaine de pointe, tout comme la médecine traditionnelle, sont réputées dans le monde entier. D'ailleurs, Cuba a déjà signé des accords d'échange de services médicaux avec plusieurs dizaines de pays dans le monde. Rappelons que dans ce pays, les soins sont dispensés gratuitement à la population. Après François Fillon, c'est maintenant au tour de Nicolas Sarkozy de faire polémique avec des propos que certains pourraient assimilé à une forme de racisme. En effet, hier, lundi, lors de meeting, le candidat à la primaire de la droite et du centre a déclaré « Lorsque vous devenez français, vos ancêtres ce sont les Gaulois ». Notons que Patrick Karam a appelé à ne pas détourner les propos de l'ex-président qu'il continue donc de soutenir. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.